and Scam Friends superstars Maxence Danet-Fauvel and Axel Orion give us their insight. Il est midi, je suis en train de boire du rhum à 2 heures de Paris en train dans un champ. Moi je suis sur la péniche et j'attends Axel qui est complètement en retard. Exactement. La rue Beaubourg en fait elle met très longtemps et que j'étais très fier de ma coiffure. J'avais pas envie de prendre un city scoot. Ah, c'est vous qui êtes en retard? C'était carrément moi. Ah mais c'est Fernando! Ah c'est génial et du coup il est mannequin aussi. Ça j'adore. Voilà. Ouais, les chapeaux sont incroyables. Tu t'habilles comme tu veux, tu mets juste ça. Voilà, on voit plus ton bouton. Petite astuce. Allez, c'est mon look! Moi Ami, j'étais mannequin il y a 7 ans et en fait mon premier job dans la mode. Donc j'ai fait son premier défilé au lycée Carnot. Et du coup, j'ai une petite histoire marrante sur ce défilé parce que bah, du coup, j'avais fait tous les castings de la Fashion Week, mais vu que je suis un peu trop petit pour faire les défilés, j'étais pris nulle part. Vous faites combien? 1m81. 1m80, ça suffit pas? Non. 1m80, c'est être petit? C'est vraiment on te voit à la porte et on te next. Je m'étais dit, bon, bah, j'ai aucun défilé, donc je vais partir en festival. Et on se fait la première soirée de concert de Festoche. Donc là, on est samedi, il est midi, je suis en train de boire du rhum à 2 heures de Paris en train dans un champ. Et mon agence m'appelle en me disant « Ouais Maxence, bah en fait ce soir tu défiles finalement. » Je suis parti en stop pour prendre un train pour retourner à Paris. Et en fait je suis allé directement de la gare au défilé. Et en fait sur ce look, j'ai des lunettes de soleil qui n'étaient pas prévues à la base dans mon look. Si vous regardez la vidéo, c'est le seul qui marche pas dans... Ma rencontre avec Ami, c'était ça. Le vert... Et c'est des couleurs très, tu sais, un peu beige, un peu cocooning, un peu... Là, vous lâchez votre verre et vous applaudissez. Exactement. Exactement. Ouais. C'est là où Alexandre est arrivé en courant, je crois. Avec son pouce. Avec le hoodie à Paris, qui était ouf. Il rend la mode très accessible pour des jeunes comme moi qui aiment bien la mode, mais qui aiment aussi les choses simples, décontractées, élégantes à la fois. Je trouve que c'est totalement l'ADN dans lequel j'aime me projeter.